Et le triple championnat de pêche sous-marine se tient depuis vendredi dernier aux Marquises à Hivaoa. C'est une première. Le championnat de l'archipel d'abord, celui de la Polynésie et enfin du Pacifique. À ce dernier concours étant la nouveauté de l'édition, il regroupe des sportifs d'Australie, de Nouvelle-Calédonie et de Nouvelle-Zélande. Ce sont au total 25 équipes qui s'affrontent dans le Grand Bleu, dont les membres sont des pêcheurs plutôt avertis. Rahiti Buchin nous en dit plus au micro de Théama Kamia. Les sélections qui sont présentes à Hivaoa sont des sélections bien affûtées. La plupart, elles sont composées à trois quarts de personnes qui ont déjà fait au moins trois ou quatre tournois, donc qui connaissent le tournoi, qui connaissent le règlement, qui participent aux championnats locaux dans leurs pays respectifs et font partie de l'élite néo-zélandaise, australienne et calédonienne. Donc au niveau des Océaniens, on aura du très haut niveau et nous, l'équipe thaïsienne, on sait qu'on n'est pas à l'abri. Ils sont tout à fait en mesure de nous battre et donc on s'est bien entraîné. Ça fait plus de 3 mois qu'on s'entraîne et on a fait un gros travail de repérage pour vraiment garder le trophée à domicile. L'information, on continue sur Polynésie la première, Internet et réseaux sociaux.